réclame ça à ma caroline, c'est vrai que c'est... Bah, vas-y, c'est... vas-y. Non, mais c'est toi. C'est... Non, mais vas-y. Moi, je suis habitué. Moi, je commence pas à commencer avec chaque semaine. Le poulet, ça, c'est clair. Vas-y, vas-y. Vous, guys, c'est quoi votre relation avec la nourriture? Est-ce que vous cuisinez à la maison? Je cuisine, mais je te dirais que ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je vous appelle assez souvent. Moi, cuisiner, franchement, je l'ai fait quand j'étais joueur. Ben, quand j'étais joueur, quand j'étais tout seul. Là, je comment dire, blessé que ma femme a quand même grandi dans une famille qui sont alentour de la nourriture. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est là pour déguster. Dégustant professionnel. Ouais, exactement. Si on a à dire une nourriture, genre, qui est. Le comfort food ultime, là. L'affaire que j'ai eu une mauvaise journée là, et puis je vais foirer sur mon sofa. Je sais pas si ça t'arrive parce que t'es pas un humain comme les autres, t'es un athlète. On s'efforce sur le sofa et puis on veut manger le comfort food ultime. C'est quoi? Le craving du comfort food ultime. Un bon mac and cheese. C'est le repas que tu prendrais là, parce que voilà, après une défaite, tu as besoin de quelque chose. C'est un remontant parce que même si tu regardes la bouffe, au moins tu dis bon, je vais manger mes émotions. Ouais. J'ai grandi parce que ma mère me donnait ça pour aller à l'école. C'est les Joe Louis. Moi, j'ai grandi avec ça plus jeune. C'était comme la collation, disons, ton dessert là, à l'école des fois. Là. Enfin, c'est le vendredi. C'est le vendredi. Là. Donc quand ça arrive, il y a des moments. Un bon verre de lait et un bon jolie, c'est comme tu sais bien, quand tu manges quelque chose que tu craves, si on peut dire, là, tu le manges et tu as un sentiment de satisfaction. Là, après ça, c'est le but de ne pas trop aller en excès, mais ouais, ça c'est moi, je dirais, tomber dans les jolies, ça c'est quelque chose que... Ça, des bonnes pâtes ou genre un bon jolie avec quelque chose de lourd, là, pour dormir live. Là. Qu'est-ce que vous mangez, vous l'aimez? Si tu ne me poses pas de questions, tu m'entends pas. C'est tranquille parce qu'on prend le plaisir de la nourriture. Patrice, un athlète de plusieurs années. Si on devait te parler de plusieurs matchs et tout, si on pouvait parler d'une performance, pas telle. Une performance. Il y en a plusieurs, mais il y en a que les gens n'ont pas vu. Fait, je ne tomberai pas sur. Il y en a eu d'autres plus jeunes parce que je pense que j'ai joué un. Performance complète. Là, c'est sûr, celle qui le retient le plus, qui est la plus mémorable dernièrement. Si j'ai pas le choix d'aller avec la performance de 2015 contre Toronto avec ses éliminatoires. Parce que, j'ai eu un purgatoire de passer l'année à être sur le banc. Et deux, c'était de répondre présent parce qu'on a un moment pas historique parce que c'était le premier match des séries éliminatoires à Montréal. Mais c'était vraiment déterminant de dire, tu sais, tu sais toujours jouer. Et puis là, cette performance-là, pour moi, était complète. Parce que là, c'était un grand match. Il ne fallait pas juste bien jouer, il fallait jouer un excellent match. Puis la donne qu'il donne, c'est que je marque un but. Puis le but gagnant qui est le premier. Mais... Celui que tu as célébré, là. Oui, celui avec la célébration. Bon, ceux qui ont suivi connaissent cette période-là, connaissent cette célébration. Mais le moment le plus marquant de ce match-là, pour moi, c'est... Et tout le monde dit le but c'est bien, parce qu'il y a l'émotion, puis il y a beaucoup de choses qui venaient derrière ça, l'irritation, la déception, la frustration de la saison. Mais le plus marquant pour moi, c'est la passe à Didier Drogba. Parce que dans le geste, je vais pouvoir toujours dire que j'ai fait une passe à Didier Drogba. Connaissant que c'est quelqu'un que je regardais à la télé, qui a eu la carrière que je crois que tous, ceux qui sont amateurs de soccer, se disent bon, moi je joue en Premier League un jour dans un grand club, et aller à la Coupe du Monde. Et là, de me dire qu'on joue contre Toronto, d'avoir ce moment-là où tu dribbles, tu vois un nuage de joueurs rouges, et qu'elle va trouver un gars que tu sais que si tu lui donnes bien normalement, c'est posé, c'est dans le but. Et donc, ce match-là, il restera toujours pour moi. Parce que il y a des bonnes performances, même certaines qui ont été meilleures, mais celle-là, elle est beaucoup plus émotive. Parce que là, c'est chez toi, devant ta famille, tes amis, puis tout le monde sait ce qui s'est passé dans la saison. Donc, il y a des moments où il faut que tu arrives, faut que tu sois présent parce que les gens ils t'attendent. Et ce match-là, c'est sûr, ça va rester comme un moment mémorable de jouer, de performer, puis de savoir que tu es à la hauteur de ce que tu es capable de donner. Ta performance la plus mémorable. Mémorable? Ouais.
mémorable, genre c'était extraordinaire ou genre c'était vraiment drôle? Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par l'extraordinaire. Extraordinaire. J'ai joué la première partie de Wyclef Jean avec Mozaïa. Okay. C'était le premier show où genre il y avait vraiment des milliers de personnes devant nous, genre, puis j'étais comme oh my god, genre, comme c'était vraiment un first. Hein. Okay. C'était un festival de Lévis ou quelque chose du genre. Okay. C'était vraiment un nice show, puis rendu sur le stage, je set up mon drum, puis je me tourne, puis Wyclef est à côté de moi, il est comme en forme. Puis je le connais pas, là, je suis comme, oh shit, c'est Wyclef, genre, je dis, trop ça, tu sais. Puis la dernière année, elle s'en va, genre, je suis comme, ok. Puis finalement, je continue à set up mon drum, puis elle était carrée, elle est comme, ouais, tu connais. Vraiment, j'ai venu me dire à l'autre, ouais. Tu sais. Puis après ça, il est venu backstage, il a tué tout le monde dans notre loge. Il est pas resté dans sa loge, il était okay. Vraiment chill et tout. Fait que c'était une super belle expérience. Je te dirais, c'était un des shows vraiment que quand j'ai vécu le gros show. Là, tu sais, okay. C'est ça. Ok. Cuisse ou poitrine? Belle. On va pas de sujet, c'est juste. Worst date ever. Bah difficile. Moi j'ai été avec la même fille depuis 24 ans, donc j'ai pas d'autre date. Right. Et il n'y a pas eu de worst date avant parce que après, c'est 24 ans que je suis avec. Ça fait que. La question va se reposer vers toi. Non, parce que c'est la question, mais.